bah, on y va sans personne. On y va sans personne. Je sais pas, ils sont pas remontés, enfin. Bon, quelqu'un aurait-il vu jouer ou Antonio? Il est en train de discuter avec lui. Donc Antonio papote, on vous propose qu'on y aille. Parce que tout le monde a l'air remonté, donc... maintenant JS, après là. Bonjour à tous, merci d'être remonté après cet apéro. Donc je vais vous parler de trois frameworks JavaScript pour le développement d'applications riches, Web, Backbone, Ember et Angular. Commencer par courte présentation, donc, je m'appelle Loïc Frering, je travaille à Lyon, ainsi que sur Urbane également en tant qu'architecte logiciel. Je travaille aussi sur des projets open source comme Travis CI ou REST-Hub, et vous pouvez suivre mon activité sur GitHub ou sur Twitter via mon utilisateur. Donc le but de la présentation ce soir, ça va pas être d'être de dresser un tableau exhaustif de features de chacun des frameworks et puis de dire bah là celui-là est mieux, celui-là est moins bien, puis de sortir avec un grand champion. Mais c'est plutôt de voir comment chacun des frameworks va approcher différemment le développement de single page applications ou d'applications riches en JavaScript. Donc pour ce faire, j'ai développé une application classique de gestion de tâches encore, mais suffisamment poussée pour pouvoir en fait se prendre directement les premiers murs qu'on va rencontrer quand on va développer des applications riches avec chacun de ces frameworks. Donc là, voilà l'application en Backbone, en Ember, en Angular. Donc pour la petite démo, donc, cette application elle va vraiment servir de base tout au long de la présentation. Donc là par exemple on va voir qu'on a une espèce de layout où on a une liste de tâches sur la gauche qui va rester un petit peu statique. Donc ça c'est assez important sur l'application riche, on ne va pas recharger toute la page à chaque fois, on va essayer de garder cette liste-là sur la gauche. On va pouvoir changer de tâche, pas de rechargement de page, évidemment. On va pouvoir éditer une tâche. Là, on va constater le banking. On en reparlera tout à l'heure. Si je sors du mode plein écran, on va voir qu'on peut changer de route. Donc là, je suis sur la route tasks. Là, j'ai des tags de la tâche 1. J'édite la tâche 1, etc. Donc, tous les petits exemples de. La plupart des exemples de code qu'on verra tout au long de cette présentation, ils seront tirés du développement de cette application avec chacun des trois frameworks. Hop. On va commencer par une petite carte d'identité des trois frameworks en commençant par Backbone. On va utiliser des codes couleurs lors de la présentation, le bleu pour Backbone, l'orange pour Ember et le rouge pour Angular. Donc regardez les slides, sur le côté vous aurez un liseré qui vous indiquera le framework duquel on est en train de parler. Donc Backbone, développé principalement par Jérémy Ashkenas, sponsorisé principalement également par la société Document Cloud. Ses dépendances fortes à Backbone, ça va être jQuery ou Zepto, si on veut une librairie plus légère sur le mobile par exemple, et Underscore.js. On est depuis assez peu de temps à la version 1.0.0 finale. Il est apparu en octobre 2010, Backbone, et c'est le plus léger des trois frameworks qu'on va aborder, avec seulement 6,3 kg en prod. Qui est réalisé sous licence MIT. Son slogan, Backbone.js donne de la structure au développement d'applications web. Et donc pour chacun des frameworks, on va voir comment, enfin, leur slogan, comment il ressort dans l'approche du développement d'applications riches. Ember, donc en orange, développé principalement par Yehuda Katz et Tom Dale. Yehuda Katz, un des core développeurs de jQuery, de Ruby on Rails, maintenant un membre du W3C, donc qui est vraiment au plus proche de l'implémentation des futurs standards du web. Et Tom Dale, un ancien de chez Apple, qui a travaillé sur MobileMe, maintenant connu comme iCloud. Ils ont monté leur boîte autour des technologies qu'ils supportent, qu'ils implémentent, qui s'appelle Tide. Les dépendances fortes d'Ember, ça va être jQuery, seulement jQuery, pas Zepto, et Handlebars pour le moteur de templating. Ils n'en sont pas encore une version 1.0 finale. On est encore dans le cycle des release candidates, avec la RC5 qui vient tout juste de sortir, toute fraîche. Et Ember est premièrement apparu en décembre 2011. Il est un peu plus ancien parce qu'il était anciennement connu sous le nom de Sproutcore. Mais voilà, Ember a commencé à vivre à partir de décembre 2011. C'est le plus lourd des trois frameworks qu'on va aborder ce soir, avec 55 kg en prod, donc compressé et minifié, à comparer avec les 6 kg de Backbone. Son slogan, un framework pour créer des applications web ambitieuse. Enfin AngularJS, donc créé par Misko Evry et puis développé maintenant aussi principalement par Igor Minar et Vojta Shina.
des développeurs de chez Google. Comme on peut le voir, pas de dépendance forte. AngularJS, il fonctionne sans jQuery. Si par contre vous incluez jQuery dans votre page, il va l'utiliser et en tirer parti. Actuellement en version 1.0.7. Il a paru en 2009, donc ça fait un sacré bout de temps, mais c'est que depuis assez peu de temps qu'il commence à être vraiment connu et répandu avec la force de frappe de Google en termes de communication autour d'AngularJS. Un peu plus léger que Camber en termes de poids, avec 32 kg pour en minifier, concaténer. Voilà, donc les trois étaient sous licence MIT. Donc son slogan, de l'HTML amélioré pour les applications web. Donc comme je vous le disais, on va aborder différents thèmes, et on va voir comment chacun des frameworks répond à ces différents thèmes. Le premier thème dont on va parler, c'est le modèle objet. Donc, JavaScript, on le sait maintenant, c'est un langage qui est orienté objet, mais contrairement à Java, qui n'est pas un langage à base de classe, c'est un langage à base de prototype. Et donc on va voir comment chacun des frameworks nous emmène un modèle objet qui va nous permettre un petit peu de retomber sur nos pattes et de retrouver des concepts avec lesquels on est familier, comme notamment l'héritage, sans avoir manipulé le prototype nous-mêmes. Je liserai bleu pour Backbone du coup. Donc pour Backbone, le modèle objet il est principalement utilisé de manière interne. Il n'est pas directement exposé à l'utilisateur, dans le sens où on ne va pas pouvoir créer notre propre objet à nous, mais on va plutôt simplement pouvoir étendre des composants mis à disposition par Backbone. Donc il est basé sur underscore.extend qui va lui manipuler le prototype pour amener cet héritage assez simple. Donc un petit exemple de code. Donc sur les exemples de code, j'ai mis en évidence avec un soulignage en gris le code qu'il faut regarder principalement dans les slides. Donc voilà, on a une handlebars view qui va étendre le composant backbone view. Ici, du coup, on a une autre view qui étend handlebars view. Et là, une petite facilité pour appeler l'implémentation de la méthode parent, on va avoir à passer par le prototype. En ce qui concerne Ember, on a un modèle objet qui est beaucoup, beaucoup plus puissant. Il va être directement exposé à l'utilisateur par l'intermédiaire de Ember Object. On va pouvoir créer des objets qui étendent Ember Object. Ça nous amène également des classes et de l'héritage, mais aussi beaucoup plus de fonctionnalités. On va pouvoir réouvrir des classes, rajouter des méthodes statiques. On va pouvoir avoir des propriétés calculées dynamiquement, on va voir un exemple. Des observers sur les propriétés des objets, quand une propriété change, avoir un callback qui va être déclenché. Et du binding entre les objets. Du coup, petit exemple de code. Bon, voilà la classe task qui est en Ember Object avec un attribut done initialisé à false, une fonction init qui va être appelée à la construction. Et là, on va voir là où ça va être intéressant cette computed property, donc la propriété qui est faite dynamiquement, qui est created since. Created since, c'est ce qu'on va retrouver par exemple sur GitHub quand on a des issues. Cette issue a été créée depuis 3 minutes, 3 minutes ago. Et donc on va dire à Ember, écoute, cette propriété created since, elle dépend de created at, et tu vas devoir la calculer à chaque fois que created at change. Et entre temps, elle va être mise en cache. Voilà, quelque chose de très intéressant. On retrouve à peu près le même fonctionnement pour les collections. On va pouvoir faire des propriétés calculées, mais qui dépendent carrément d'une collection. Donc là on va dire, le nombre de tâches restantes pour un utilisateur a une collection de tâches, va être calculé à chaque fois que l'attribut done de l'une des tâches change. Voilà, c'est quelque chose d'assez puissant. En ce qui concerne Angular, il n'y a pas vraiment de modèle objet. Avec Angular, on va directement travailler sur du JavaScript simple. Il va nous laisser assez libre de faire à peu près ce qu'on veut avec le JavaScript, avec le prototype, et de nous laisser manipuler notre JavaScript. Donc, bon, il est marrant ce site parce que généralement je le présente à des communautés JavaScript ou autres. Mais bon, nous, l'injection de dépendance, ça ne nous fait pas peur quand on fait du Java. Donc voilà, ce qui est intéressant en Angular, c'est qu'il y a un mécanisme d'injection de dépendance. Et le framework va fortement en profiter et le mettre en avant. Donc on va retrouver de la séparation des responsabilités et puis une forte déstabilité mise en avant grâce à cette injection de dépendance. Donc un exemple, là je vais déclarer un service task, qui est mon service pour un DAO en quelque sorte, pour accéder à mes tâches et à mon API REST. Et donc je dis mon task controller dépend de ce service task, et ce service task va être automatiquement injecté dans la fonction là-bas. Pour conclure sur le modèle objet, donc avec Backbone, on a vraiment de l'héritage simple. Ça reste assez simple. Avec Ember, on a vraiment un modèle objet qui est déjà très complet, très puissant, et qui va être à la base de pas mal de fonctionnalités apportées par Ember. Et enfin, avec Angular, on va vraiment travailler sur du JavaScript comme on a envie d'en faire, et on va par contre bien tirer profit de l'injection de dépendance. Deuxième thème, on va parler un petit peu de MV quelque chose. J'ai MV quelque chose parce qu'on va trouver la model view
contrôleur, ViewModel, Delegate, etc. Donc on ne va pas débattre de la sémantique de chacune des appellations, mais voilà, on va voir comment chacun des frameworks approche chacune de ces couches. En ce qui concerne Backbone, on va avoir un modèle qui va nous exposer des mutators, des getters, des setters, qui vont nous permettre de manipuler les attributs. On va voir un petit peu plus loin pourquoi Backbone nous force à passer par des getters et des setters. On va avoir plein d'événements qui vont être levés automatiquement par Backbone. Et puis des mécanismes, bon, là j'ai mis la validation. Donc Backbone, il est très léger. Et là, la validation, il va nous mettre à disposition une fonction validate qui n'est pas implémentée, c'est de notre sort de l'implémenter. Par contre, Backbone, il va invoquer cette fonction dans le cycle de vie de son modèle, automatiquement pour nous. Donc du coup, un modèle en Backbone, là on a une tâche qui est simplement quelque chose qui est en Backbone modèle. On n'a pas besoin de déclarer a priori toutes les propriétés qu'il va y avoir dans l'objet, c'est du JavaScript, c'est dynamique. Mais par contre, on dit, voilà, j'ai une valeur par défaut pour le titre, qui est new task. En ce qui concerne la vue dans Backbone, donc la vue, c'est vraiment un composant qui va encapsuler une portion du DOM. Il va y avoir une racine dans une vue qui va être un élément DOM en mémoire, et le travail de la vue, ça va être de venir populer cet élément DOM en mémoire pour faire le rendu. Une nouvelle fois, avec Backbone, il décide pas pour nous qu'est-ce qu'on va faire pour le rendu. Voilà, il fait rien pour nous, il nous apporte une structure, voilà, cette vue, avec un fonctionnement, on a un élément racine en mémoire qu'on va venir populer. Par contre, cette méthode render, on peut le voir dans l'implémentation d'un Backbone de render, elle est vide. C'est à notre charge de l'implémenter. Donc voilà, Backbone, il nous apporte vraiment la structure, la colonne vertébrale. Du coup, ce qu'on va rapidement faire quand on va développer nos applications de Backbone, c'est qu'on va étendre Backbone View et puis créer notre propre composant vue un peu plus évolué pour ne pas avoir à réimplémenter la méthode render dans toutes les vues qu'on va coder. Donc du coup, là, par exemple, on a une Handlebars View. Handlebars, c'est un moteur de tempête inspiré de moustache. Et du coup, on va dire... Comment je fais le rendu? Je vais compiler mon template Handlebars, je vais l'exécuter avec un contexte, le modèle, la collection, ou peu importe, et puis le populer dans l'élément du DOM en mémoire. Et après, ce sera de notre ressort d'attacher le résultat de ce rendu dans notre arbre HTML quelque part. Il n'y a pas de notion explicite de contrôleur en Backbone. Du coup, on va retrouver cette logique qu'on aura l'habitude de voir dans des contrôleurs, on va la retrouver dans des actions de route, ou dans des vues. On va voir un exemple. Donc c'est un point qui peut paraître un peu étrange. Là, je suis dans une vue et je retrouve la sauvegarde de mon modèle. Et on peut se dire, sauvegarder le modèle dans une vue, c'est quand même pas vraiment de la même responsabilité. C'est pas vraiment la logique de rendu, pourquoi je sauvegarderais ça dans le modèle. Mais voilà, c'est l'approche de Backbone, il reste léger, il prend pas de décision pour nous. On passe maintenant à Ember. En ce qui concerne le modèle, comme je vous disais tout à l'heure, automatiquement, on va hériter de toutes les features d'Ember Object. Des composite properties, du binding, des observances, etc. En ce qui concerne la vue, Ember il va aller beaucoup plus loin. Il va prendre des décisions pour nous. Il va dire, moi je travaille avec Handlebars, je sais rendre des templates Handlebars. Donc du coup, il se base vraiment sur Handlebars. Handlebars, c'est un moteur de template, comme je disais tout à l'heure, mais qui est basé sur des chaînes de caractères. Donc ça va consister à charger ces chaînes de caractères, les parser, les compiler pour avoir une fonction JavaScript exécutable, les exécuter avec un contexte, donc notre modèle, en l'occurrence, pour avoir le résultat, et qu'on va injecter quelque part dans notre HTML, dans l'arbre DOM de notre page. Du coup, cette vue, comme Ember, il a pris plein de décisions pour nous, et qu'il sait ce qu'on veut faire avec une vue, mais en fait, on n'a pas besoin particulièrement d'implémenter. On a une implémentation par défaut qui va très bien, qui va dire, je veux tel template, je vais le rendre à cet endroit-là, et voilà, c'est fini. Du coup, un petit exemple de vue de template du coup avec Ember. Là c'est ma liste de tâches qu'on avait sur la gauche tout à l'heure. Je vais itérer sur toutes les tâches de ma collection, puis je vais afficher des liens avec le titre de la tâche. On a une notion de contrôleur avec Ember. Par contre, on a une notion de contrôleur qui est bien différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur nos MVC côté serveur. C'est plus un contrôleur au sens view modèle. Le contrôleur, sa responsabilité dans Ember, ça va être de décorer le modèle avec de la logique qui va être liée au rendu. Donc si je reviens sur l'application, on voit là que quand je change de tâche, hop, j'ai un petit ruban gris qui me dit la tâche qui est actuellement sélectionnée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans le modèle, savoir quelle tâche est actuellement active sur l'application, on ne veut pas le persister côté serveur, c'est juste quelque chose qui est de la logique de rendu. Et c'est typiquement le genre de fonctionnalité qu'on va retrouver dans les contrôleurs avec Ember. Et de la même manière, si on n'a pas besoin de faire de,
de logique de rendu un peu compliquée qui va nécessiter l'implémentation d'un contrôleur, on n'a pas besoin d'implémenter. Ember nous fournit une implémentation par défaut qui va marcher. Passons à Angular. Donc sur le modèle, on travaille avec des objets JavaScript simples. Donc là, Angular ne nous aide pas trop, on travaille vraiment avec nos objets JavaScript. Par contre, il y a cette notion de scope. Le scope, ça va être le lien entre notre vue et notre contrôleur. Et donc c'est vraiment dans ce scope que nous, on va mettre des objets de notre modèle pour les rendre à disposition de la vue qui va s'occuper de faire le rendu, en les manipulant. Le scope, on le verra un peu plus loin, il est responsable du data binding bidirectionnel. Là, on a une approche complètement différente qu'Ember avec Angular. C'est que Ember, on a dit qu'il travaille sur des templates en chaîne de caractères qu'il va parser. Angular, lui, fait le pari d'embrasser complètement le DOM. Il va travailler sur le DOM directement. Donc notre template, ça va être directement notre HTML. Et donc Angular, il va venir parser notre HTML, le compiler automatiquement pour nous, et puis le rendre dynamique, l'augmenter. Du coup, le même exemple que tout à l'heure, là, voilà, c'est vraiment de l'HTML, ça va pas être manipulé comme une chaîne de caractères par le framework. Il va venir parser notre HTML, il va détecter cette petite directive ng-repeat, cet attribut ng-repeat, et puis du coup, il va itérer sur toutes les tâches et répéter cet élément li pour chaque tâche qui est dans la collection de tâches. Et de la même manière, on va avoir un lien avec l'id de la tâche et puis le titre affiché. Il y a une notion de contrôleur aussi en Angular, mais qui est différente de celle d'Ember. Donc là, c'est plus un contrôleur avec lequel on va être familier. Le job du contrôleur, comme je disais, ça va être déjà de populer le scope pour pouvoir mettre à disposition de la vue tout ce dont on a besoin pour faire le rendu. Et puis d'avoir toutes nos actions qui vont nous permettre de sauvegarder le modèle, de le mettre à jour, etc. C'est une chose importante sur le contrôleur, c'est qu'il va fortement bénéficier du mécanisme d'injection de dépendance qui nous permet d'avoir un contrôleur bien testable, d'injecter des services, de séparer nos responsabilités bien correctement. Du coup, un exemple de contrôleur. Le contrôleur pour le détail d'une tâche, on va dire il dépend du scope, parce qu'on va avoir besoin de populer ce scope, des paramètres de la route et du service task, qui est mon DAO, qui vont être injectés automatiquement. Et du coup, comme je vous le disais, il va aller récupérer la tâche sur notre web service REST et l'attacher au scope. Et du coup, automatiquement, dans notre HTML, on peut mettre ces placeholders qui vont nous rendre le titre et la description de la tâche. Du coup, pour conclure sur le MV quelque chose, avec Backbone, on a vraiment une structure basique, et quand j'ai une structure, c'est juste une structure. Le rendu n'est pas implémenté, c'est à notre charge de l'implémenter, de faire ce qu'on veut. Si on veut rendre du HTML, si on veut rendre du PDF, enfin vraiment ce qu'on veut. Ember nous apporte vraiment un MVC complet, basé sur des templates en chaîne de caractères, basé sur Handlebars, une profonde intégration avec Handlebars. Et Angular, qui est une approche complètement différente, qui va vraiment embrasser l'HTML, avoir une approche vraiment déclarative, et du coup nous permettre de faire des choses de manière assez concise, rien qu'en manipulant notre HTML. Et puis ça profite également de l'injection de dépendance. Le binding. Le binding, donc c'est comment on va faire pour connecter des propriétés d'objets entre elles, et surtout comment on va faire pour synchroniser nos données avec notre vue. Petit exemple, hop. Voilà. Donc là, sur les prochains slides, l'exemple de code illustrera ce petit bout d'application. Donc on va avoir une première vue qui va être ce text field, et puis une autre vue qui va afficher Hello Paris J. En Backbone, toujours la structure, il n'y a pas de binding automatique. Backbone nous met tout à disposition pour faire des branchements, mais c'est à nous de les faire. Et du coup, ça va être à nous de brancher manuellement les événements entre eux avec du code. Par contre, les événements, ils sont à disposition. Donc du coup, sur les modèles Backbone, les événements vont être levés automatiquement. Backbone nous fait passer par des get et des set pour être capable de détecter des changements sur les attributs des objets. Donc quand on fait un set, Backbone va dire « Ah là là, cet attribut est en train de changer, je vais lever un événement change. » Donc change pour un objet qui change, peu importe l'attribut. Ou alors change de point attribut pour détecter directement le changement d'un attribut particulier. Il va lever des événements sur la destruction d'un modèle, sur la synchronisation avec le serveur. De la même manière pour les collections, il va nous lever des éléments quand on ajoute un élément à une collection, quand on en enlève, quand on la synchronise avec le serveur ou quand on la remet à zéro. Du coup, voilà, le code pour le petit exemple qu'on vient de voir de binding. Donc on a la première vue, la prompt view, qui va écouter l'événement keyUp sur l'input. Donc quand le navigateur lève un keyUp sur l'input, il va appeler la fonction change, et la fonction change, elle va appeler le setter et puis mettre à jour le name.
Et du coup, bah là, on va dire, bah, Backbone, il va lever un événement de change parce qu'il va détecter un changement sur le nom. Du coup, dans notre Hello View, à l'initialisation, on va dire Hello View, écoute les changements sur le modèle, et quand il y a un changement sur le modèle, rends-toi à nouveau, mets-toi à jour. Et du coup, on refait le rendu. En ce qui concerne Ember, on a un bending bidirectionnel qui est automatique, qui est là, qui est tout prêt pour nous, on n'a rien besoin de caler manuellement. Comme je vous disais, bah voilà, il est vraiment au cœur d'Ember Object, du coup au cœur d'Ember. Et ce binding, bah, il va profiter de la profonde intégration entre Ember, Handlebars, et puis une autre petite librairie qui s'appelle Metamorph. On va en parler tout de suite, de cet exemple. Donc le principe de Metamorph, donc on a dit qu'on travaillait sur des tempêtes en chaîne de caractères. Comment on travaille sur ces tempêtes en chaîne de caractères? Pour qu'Ember soit capable d'aller mettre à jour des portions de la page, il faut qu'il ait des placeholders pour dire bah, c'est ici que je dois faire ma mise à jour. Et du coup, il va injecter des petites balises scripts un peu partout dans notre DOM, pour être capable d'aller chercher les endroits où il va devoir faire ses mises à jour. Donc là, typiquement, le nom d'une tâche, encadré par deux balises scripts, 4 start, 4 end, et du coup, il va dire, bah, dès que le nom de cette tâche change, j'ai un observer qui va se déclencher, qui va aller chercher cet endroit-là et mettre à jour le nom de la tâche. Donc ils ont choisi la balise script parce que c'est une balise qui avait le moins d'influence sur le rendu du DOM pour les navigateurs. Du coup, l'implémentation de notre petit exemple avec Ember, donc simplement on met une app view, on lui dit bah voilà où est la tempête, et puis bah voilà, simplement avec ça, on va avoir automatiquement un binding automatique du nom sur le nom qui va être changé dans l'input, dans le champ de saisie. Beaucoup moins de code qu'avec Backbone. En ce qui concerne Angular, on a aussi un binding bidirectionnel. Par contre, avec Angular, la première question que je me suis posée quand j'ai découvert Angular, c'est comment ils faisaient ce binding, parce qu'ils ne forcent pas comme Ember ou Backbone à passer par des getters et des setters. Du coup, je me demandais comment ils étaient capables de détecter qu'il y avait un changement sur un attribut s'ils ne forcent pas à passer par une fonction qu'ils maîtrisent. Et du coup, oui, avec Angular, on travaille sur des objets JavaScript simples, donc comment ils font ce binding? En fait, la réponse, c'est qu'il va utiliser un mécanisme de dirty checking. Tout le code qu'on va écrire dans notre application Angular, son exécution va être encapsulée dans un contexte. À la fin de l'exécution de ce contexte, Angular va déclencher une loop de dirty checking qui va boucler sur tout ce qu'il y a dans le scope, et elle va détecter tous les changements qu'il y a dans le scope et déclencher des événements. Donc voilà, on a plutôt un mécanisme de loop qui va se déclencher à la fin d'un contexte d'exécution, automatiquement. Et l'autre force d'Angular, c'est que comme il travaille directement avec le DOM, ben, il n'y a pas besoin de métamorphe et de balise script. Il va être capable de dire, bah, de toute façon, mon binding il est sur cet élément du DOM, je sais que c'est cet élément du DOM là que je vais devoir changer. Et automatiquement, il va le mettre à jour. Bah, du coup, notre exemple, bah, on n'a plus que de l'HTML pour faire notre petit exemple en Angular. Et on a voilà, un champ input qui va être automatiquement amélioré, augmenté par Angular. Et puis notre placeholder qui va afficher le name et le mettre à jour automatiquement pour nous dès qu'on a le mécanisme de dirty checking qui va se mettre en place. Pour conclure sur le binding, avec Backbone, du coup, on a un binding qui n'est pas automatique, mais par contre, on va avoir un fort contrôle sur ce binding. On va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. Si là, j'ai pas envie d'avoir du binding, si là, j'ai pas envie que mon interface se mette à jour parce que j'en ai pas besoin, parce que c'est pas nécessaire, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le contrôle. Et du coup, je vais pouvoir vraiment faire des applications légères et maîtriser tout ce qui se passe dans cette application. Avec Ember, on va voir tout ça qui va être mis en place automatiquement. Donc évidemment, ça a été optimisé, ils ont mis en place plein d'optimisations pour que ça se passe bien, pour que ce soit performant. Mais du coup, ça va être là, quoi qu'il arrive. Et la chose qu'on peut noter avec Ember, c'est que Metamorph, il peut être un petit peu perturbant. Quand on va inspecter notre DOM, on va voir toutes ces balises script un petit peu partout, on va dire, ah, ça vient un petit peu polluer mon joli DOM que j'avais bien codé. Mais bon, je pense que voilà, Metamorph, il faut s'en abstraire. Ils ont choisi cette solution parce que c'était la seule solution possible avec les technos actuels. Et donc, il faut en faire abstraction quand on va inspecter notre DOM. Enfin, avec Angular, bah, on peut se poser la question du coup du dirty checking. Dirty checking, c'est un mécanisme qui est intéressant, qui nous permet de travailler sur des JavaScript simples, mais du coup, qui quand même consomme pas mal de CPU à chaque fois qu'on va arriver à la fin d'un contexte d'exécution pour parcourir tout ce qu'il y a dans le scope. Mais voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qui sont fortement optimisés et qui va être fortement amélioré avec les prochaines fonctionnalités qu'on va trouver dans les prochaines versions de JavaScript, notamment des mécanismes d'observation directement sur les objets et qui sont déclenchés par le navigateur. Donc c'est le navigateur qui va lui-même déclencher les changements quand il va détecter des changements sur les objets. Du coup, ça va être en place, ça va être dans le moteur du navigateur lui-même, ça va être très performant. Ils ont implémenté une branche d'Angular qui utilise ce mécanisme, et ils ont des gains de performance assez énormes. On va parler maintenant routing.
Du coup, le routing, comment on va associer une URL à un état particulier de l'application. Le routing pour une application, pour une single page application, il va être un peu plus différent du routing qu'on a l'habitude de voir sur un MVC client-serveur classique. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, là par exemple, on a notre petite liste de tâches à gauche qu'on ne va pas vouloir mettre à jour à chaque fois qu'on change de route. On va juste vouloir mettre à jour la petite portion sur la droite. Donc on va voir comment chacun des frameworks va prendre en compte cette spécificité des applications riches et comment il répond à ça, et le routing. Backbone, toujours très simple, il nous met des composants à disposition, le routeur, Backbone Router et Backbone History. Backbone Router pour déclarer nos routes, Backbone History pour gérer la navigation dans nos pages. Il y a un support du push-tête, le push-tête qui permet de s'abstraire des dièses qu'on a dans les URL et puis d'avoir des URL un peu plus propres, un peu plus jolies. Et voilà, très simplement, c'est une route qui match, un callback qui se déclenche. C'est tout ce que nous met à disposition Backbone. Du coup, ça va être à nous de gérer manuellement nos petits layouts et notamment la gestion de la mémoire. On va comprendre tout de suite pourquoi c'est important dans l'exemple. Donc là, j'ai mon routeur pour mes tâches, avec toutes mes routes, ma liste de tâches, Tax New pour créer une tâche, pour avoir une tâche, etc. Donc pour voir une tâche, j'ai la fonction show qui va être déclenchée quand cette route match. L'implémentation de la fonction show, donc là j'ai été obligé de faire moi-même ma gestion de mon layout. Et donc ce que j'ai dit, c'est que j'avais ma liste de tâches à gauche et ma vue courante à droite qui va changer. Ma liste de tâches, elle est déjà là, je ne veux pas la changer, elle reste là, c'est pas la peine de la re-rendre. Par contre, ma petite vue courante à droite, je vais l'avoir là à mettre à jour. Donc la petite fonction courante, qu'est-ce qu'elle va faire déjà? Elle va récupérer la tâche en fonction de son ID. Elle va appeler la fonction dis.list qui va s'assurer que la liste est bien là sur la gauche. On verra son implémentation juste après. Et elle va m'instancier la vue courante, et puis la rendre, et l'injecter au bon endroit. Voilà, encore pas mal de code manuel. Et la fonction list, donc qui va regarder est-ce que ma liste de tâches est déjà rendue, via ce if. Si elle n'est pas déjà rendue, j'instancie la vue et je la rattache dans le DOM. Et chose très importante, elle va vérifier est-ce qu'il n'y a pas déjà une vue courante de rendu, et si c'est le cas, je vais la supprimer. Pourquoi c'est important? Parce que appeler cette fonction remove, ça va aussi détacher tous les gestionnaires d'événements qui vont être la responsabilité de la vue. Si on ne fait pas ça, on va avoir des pointeurs qui vont être gardés sur les fonctions de la vue et le moteur de garbage collecting de JavaScript qui va être capable de collecter ces vues. Et du coup, on va avoir des vues zombies, des fuites mémoire qui vont survenir dans l'application. Des vues zombies dans le sens où on va avoir des événements toujours attachés, donc quand on va cliquer, cette vue va continuer d'exécuter ses handlers alors qu'elle n'est même plus affichée. Donc avec Backbone, beaucoup de contrôle. Par contre, il faut bien maîtriser son framework, il faut bien maîtriser le fonctionnement de JavaScript, de la garbage collection, pour ne pas avoir fuite mémoire, pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Le routing en ce qui concerne Ember. Donc le routeur d'Ember, c'est vraiment quelque chose qui est First Class Citizen, qui est vraiment important. Ça a été pris en compte dès le début. Les gars d'Ember, ils se sont posés, ils se sont dit, pour le routing, on va avoir besoin d'un composant qui gère vraiment ces applications riches. Et du coup, ils ont conçu le routeur comme une machine à état fini. Donc, c'est-à-dire que notre application, en fonction d'une route, la route va être décomposée en différents états. Et Ember, le routeur d'Ember va converger à travers tous ces états pour converger vers l'état cible de notre application pour l'URL donnée. Donc, en gros, ça va consister en fait à, un peu comme des poupées russes, à reconstituer notre application en injectant des bouts de vue de partout pour reconstituer en fonction d'une URL donnée. On va voir un exemple. Donc du coup, pour avoir ce fonctionnement de poupée russe, on va avoir des hiérarchies de routes. Donc là, j'ai une route principale qui est ma route tasks, qui va dire, je vais manipuler des tâches, je vais avoir un template qui correspond à ma gestion des tâches, et puis des sous-routes. Une nouvelle tâche, une tâche pour afficher les tâches, éditer les tâches, supprimer les tâches. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on va un petit peu constituer notre layout. Du coup, cette route principale, elle va s'assurer que notre liste est bien rendue, et puis les sous-routes, elles vont venir faire leur rendu dans la vue courante à droite. Et donc là, ce qui est important de noter, c'est que on a la liste des tâches, et on a ce petit helper handlebars outlet, dans lequel Ember va venir inclure le résultat de notre sous-route, du rendu de notre sous-route. Et on peut imaginer l'imbrication de plein d'outlets les uns dans les autres pour converger vers un état vraiment complexe de l'application. Et là, automatiquement, Ember il va gérer pour nous la gestion de la mémoire, le cycle de vie des vues, il va les supprimer quand il faut, détacher tous les handlers, il va faire tout ça pour nous. Là, c'est un exemple de route.
Donc c'était surtout pour dire, donc là voilà, je veux dire, pour cette route-là, je veux que tu rentres ce template-là. Et Ember, il travaille beaucoup avec en convention, donc pas mal les principes de Ruby on Rails, convention over configuration. En fait, toutes ces fonctions, on n'a pas besoin de l'implémenter particulièrement. Si j'utilise des conventions, donc là, il va aller chercher le template tasks slash new. Et là, j'ai simplement voulu capitaliser le formulaire entre new et edit, et du coup, je dis, bah non, en fait, va chercher tasks form. Sur le modèle, là, je suis en train de créer une vue, donc je dis, bah voilà, je te crée une nouvelle task. Mais si j'avais une route qui m'affiche la task courante, Ember va détecter l'ID de la task, il va être capable d'aller chercher directement la task en fonction de son ID et nous l'injecter automatiquement, sans que ça, on ait besoin de l'implémenter. De la même manière, pour le contrôleur, si on n'a pas besoin de faire des actions particulières, ça, on ne l'implémente pas. Et enfin, notre gestion des événements sur notre route, donc sur une route, quand j'ai déclenché une sauvegarde du modèle, ben là, j'ai un petit callback. C'est là où on a vraiment notre métier, notre application. En ce qui concerne Angular, le routeur, moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt venu après, donc ils n'ont pas construit toute une architecture autour du routeur, mais c'est plutôt un comprendre qu'ils en ont un petit peu par la suite. Donc du coup, le routeur, il semble un petit peu à côté du reste des fonctionnalités. On a deux services à disposition, le service routeur pour déclarer les routes, et puis le service route params qui va nous permettre de récupérer, d'injecter dans nos contrôleurs des paramètres de route. Et à l'inverse d'Ember, où on avait un plugin outlet qui nous permettait d'imbriquer plein de vues les unes dans les autres, là on a une seule directive Angular qui est ngView. Et en fait, c'est dans cette directive que, à chaque fois qu'on change de route, Angular va venir mettre le résultat de l'exécution de route dans cet attribut, dans cet élément HTML-là. Et on ne va pas pouvoir composer, du coup, des pages complexes. Donc à chaque fois qu'on va changer de route, on va tout devoir rendre avec ce ngView. Donc bon, là, un petit exemple où là, je configure mon routeur en disant quand cette route-là match, je vais compiler ce template-là et exécuter ce contrôleur-là. Et voilà. Du coup, pour conclure sur le routing, avec Backbone, il n'y a rien qui est prêt pour nous, il n'y a rien qui nous facilite la vie. Par contre, tout est possible, mais manuel. Et on doit faire très attention à la gestion de la mémoire. Ça va vraiment être à nous de gérer notre mémoire finement. Et en gérant cette mémoire finement, on va pouvoir vraiment optimiser notre application. En ce qui concerne le routeur d'Ember, moi je considère que c'est vraiment un gros point fort d'Ember. Ils se sont vraiment embrassé le développement d'applications riches et en se disant comment on peut faire un routeur qui est vraiment performant pour le développement d'applications riches. Et voilà, je pense qu'ils ont fait un système de routing qui est très intelligent. Et enfin, pour Angular, je pense que le routeur, il est un petit peu derrière. Ils s'en rendent bien compte. Ils ont pas mal d'issues qui sont ouvertes sur GitHub en disant ouais, le routeur, c'est pas encore ça, là, je suis obligé de tout rendre, etc. C'est pas top. Donc voilà, pour moi, le routeur dans Angular, il a besoin encore d'amélioration. On va parler maintenant de comment on va faire pour communiquer avec notre API serveur. Comment on va dialoguer avec notre API REST, en l'occurrence. Donc on va voir comment chacun des frameworks nous permettent de se câbler avec une API RESTful, à quel point ils sont flexibles, si nos API sont un petit peu tarabiscotées, etc., si on doit s'intégrer avec une API qu'on ne maîtrise pas et tout ça, et comment c'est facile d'implémenter cette communication, ce dialogue avec l'API serveur. Avec Backbone, on a un composant qui s'appelle Backbone Sync, qui est pareil, qui est très simple, mais que si on a une API qui a une bonne sémantique REST, avec des gets, des posts, des puts, des delets, etc. Mais en fait, ça va être très facile à câbler. Automatiquement, il va utiliser la bonne sémantique et dialoguer avec notre API REST très facilement. Et comme avec Backbone, en fait, on a été un petit peu sur tout, c'est pareil, ça va être facilement customisable. On va pouvoir facilement customiser le parsing de la réponse ou l'envoi des données sur le serveur, la serialisation de nos données. Et du coup, bien souvent, quand on a une API REST qui est bien foutue, on va juste avoir à rajouter l'URL de base de notre ressource qu'on manipule, notre ressource au sens REST, et bam, ça va marcher. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, Backbone nous met à disposition son modèle des API du genre Active Record qui nous permettent de sauvegarder notre modèle avec les nouvelles valeurs. Et quand cette sauvegarde a été effective côté serveur, j'ai un petit callback success qui va déclencher quelque chose, et là, en l'occurrence, la navigation vers la route qui va afficher la tâche. Ember. Donc à côté d'Ember, il y a un autre projet qui s'appelle Ember Data, donc, c'est un projet Ember, mais qui est à côté. C'est quelque chose qui est très ambitieux, ils veulent vraiment faire beaucoup de choses avec Ember Data, c'est quelque chose qui n'est pas du tout stable. Donc pareil, ils vont nous amener des API du style ActiveRecord, qui nous permettent de faire des saves, des finds, plein de choses.
Et on va retrouver des notions qu'on a l'habitude de voir plutôt dans nos ORM, notion de mapping. On va devoir déclarer, voilà, j'ai telle chance, un champ de type date, j'ai telle chance, un champ de type string, etc. On va retrouver des notions de relations, on va devoir mettre nos as many, as one, etc., nos relations sur nos objets. Et même de transactions, côté client. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se veut vraiment très très ambitieux, qui veut faire beaucoup de choses. Quelque chose qui est intéressant sur Ember Data, c'est qu'il y a différents adaptateurs. Donc, c'est-à-dire que si on travaille sur une API REST, on a un REST adapteur pour dialoguer avec une API REST. On va pouvoir avoir, par exemple, des local storage adapteurs qui vont nous permettre de persister nos objets dans le local storage, dans le navigateur. Et même un adaptateur qui va nous permettre de travailler directement sur des objets en mémoire. Un fixtures adapteur. Et c'est très facile de switcher d'adapteur en fonction de l'environnement. Donc, typiquement, en local, on va peut-être pouvoir travailler sur des objets en mémoire plutôt que de dialoguer avec une API REST. Et il va s'occuper de gérer un petit peu du cycle de vie de nos objets et de déclencher des événements. Une fois que l'objet a été créé côté serveur, etc., il va déclencher des événements pour nous qu'on va pouvoir écouter et réagir en fonction de ces événements. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore en développement actif. Ils n'ont pas encore versionné en disant on est en 1.0 bêta. Non, non, pas du tout. Ils sont encore en version préliminaire, pas du tout stable. Voilà, ça bouge beaucoup Ember Data. Du coup, là, voilà un exemple. On va retrouver une notion de store, de commit, un petit peu étrange que côté client. Et nos petits événements du cycle de vie, une fois que la task a été créée, transitionne vers une nouvelle route. En ce qui concerne Angular, on a deux services pour gérer notre synchronisation avec l'API serveur, le service HTTP et le service ressources. Le service HTTP, c'est un service qui est de bas niveau, qui va nous permettre de faire des requêtes AJAX. Donc on va vraiment faire nous-mêmes nos requêtes AJAX, sérialiser ce qu'on veut envoyer au serveur, parser la réponse nous-mêmes. Et on a le service ressources qui est un peu plus haut niveau, qui va se baser sur le service HTTP, qui est vraiment, lui, bah pareil, si on a une API REST avec des sémantiques RESTful, il va être capable de dialoguer avec cette API REST. Un truc qui est bien cool sur la communication avec l'API serveur côté Angular, bon, on va penser à DAO par exemple, et on va pouvoir injecter facilement nos services, comme on a pu le voir tout à l'heure, de manipulation de persistance, de gestion de persistance. Et du coup, on va fortement bénéficier de l'action dépendance pour pouvoir tester nos contrôleurs, nos composants, injecter des mocks, etc. Du coup, l'exemple, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais créer mon service task qui utilise le service ressources pour dialoguer avec une API REST dont on a l'URL de base. Là, du coup, je vais pouvoir créer une nouvelle task et la sauvegarder sur le serveur. Avec, pareil, la fonction fallback, une fois qu'elle a bien été sauvegardée sur le serveur, j'ai reçu un 200 OK. Donc 201, je vais aller sur une autre route. Pour conclure sur l'API serveur, donc, côté backbone, on a quelque chose qui marche tout de suite bien si on a une API REST qui est bien ficelée, qui est facilement customisable. On a vraiment toujours de la même manière la maîtrise un peu sur tout. Côté Ember Data, on a quelque chose qui se veut très puissant, très ambitieux, mais qui est pour l'instant pas vraiment mature. D'ailleurs, ils sont en train de casser l'API dans tous les sens, elle n'arrête pas de changer. C'est difficile de suivre ça. Donc voilà, si on veut vraiment s'en servir, il faudra attendre un petit peu, ou alors vraiment suivre au jour le jour l'évolution de ce projet. Et ce qu'on peut dire sur Angular, c'est que voilà, comme c'est des services, et bien on va pouvoir fortement tirer avantage de l'action de dépendance sur notre communication avec notre API serveur. Développement de composants avec chacun des frameworks, qu'on va pouvoir développer des composants de haut niveau qui vont être utilisables entre les différentes applications. Et un petit peu, on va regarder un petit peu les composants qui sont inclus par chacun des frameworks directement. Donc, composant, on peut imaginer comme le composant qu'on a vu tout à l'heure avec Sébastien, ou un calendar, ou des choses comme ça. Backbone, pas de notion explicite de composants. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer des vues qu'on va partager entre les différents projets, puis réutiliser ces vues-là. Donc ça va être à nous, par contre, de dire, comme il n'y a rien de spécialement fait, de dire où est-ce qu'on va vouloir attacher le rendu de la vue dans notre arbre HTML. Avec Ember, on va aller un peu plus loin. Donc c'est pareil, les composants, c'est des vues. Par contre, on va pouvoir injecter ces vues directement dans nos templates Handlebars. On va pouvoir créer des plugins pour dire, ce composant-là, je veux qu'il se rende à cet endroit-là. Il y a des composants qui sont mis à disposition, comme des textes fields, des composants pour les textes, pour tous les champs de formulaire, ils vont automatiquement gérer pour nous tout ce qui est le binding automatique. Dès que je change un texte dans un champ de saisie de formulaire, ça va automatiquement mettre à jour le reste de la vue. Donc du coup là par exemple, un composant input, un composant texte arrière.
Et donc, c'est des plugins, c'est pas du DOM, c'est des plugins handlebars. Et ça, c'est vraiment traité comme une chaîne de caractères par Ember. En ce qui concerne Angular, là, on a vraiment. Angular essaye d'embrasser l'avenir du web. On a parlé tout à l'heure de web components. Donc, ils essayent d'anticiper un petit peu sur ces web components et de nous permettre, en fait, de créer vraiment des éléments HTML custom, de créer nos propres éléments HTML. Donc, un élément HTML comme calendar, etc. C'est quelque chose qui va être très, très, très puissant. Et quand on commence à découvrir la documentation, on se rend compte que c'est peut-être très puissant, mais derrière, ça implique pas mal de notions assez complexes. Donc on va devoir vraiment s'imprégner de ces notions complexes, de bien les comprendre. D'ailleurs, on retrouve un petit peu des API un petit peu cryptiques, donc avec des arrobases, des égales, des EACM, etc., des notions de transfusion. Donc il va falloir qu'on s'imprègne vraiment de tout ça pour bien réussir à développer des directives avec Angular. Mais une fois qu'on maîtrise ça, voilà, on a vraiment beaucoup de pouvoir, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, Angular, il vient avec plein de directives qui sont incluses par défaut, et notamment, en fait, les éléments standard HTML qu'on a l'habitude de manipuler, l'élément input, l'élément extérieur. Mais en fait, derrière, ça va déjà être des directives Angular qui vont être augmentées, qui vont avoir du comportement. Pour conclure sur les composants, donc, avec Backbone, rien de particulier, ça peut juste être des vues custom. Avec Ember, on va pouvoir aller un peu plus loin et puis faire vraiment des plugins handlebars qui vont nous permettre de rendre des composants à des endroits particuliers avec les plugins input, extérieur, etc. Et avec Angular, la grosse force d'Angular, les directives qui sont vraiment un moyen d'enseigner HTML de nouveaux tours, des nouveaux éléments. Voilà, on va finir sur deux sujets, la testabilité et l'écosystème. Testabilité, avec Backbone, tout est explicite. On a beaucoup de contrôle sur tout ce qu'on est en train de faire, et du coup, comment on a ce contrôle, comment on sait comment tout se passe, comment tous les composants s'abriquent entre eux, comme c'est nous qui les instancions, qui les mettons en œuvre entre eux, en fait, on va avoir pas mal de facilité à faire des tests unitaires, parce qu'on va savoir comment on instancie les choses, comment ça se passe, etc. Par contre, comme il y a beaucoup de code manuel, il y a beaucoup de tests à écrire. En ce qui concerne Ember, donc, ouais, y a des gens qui sont costauds derrière, qui mettent en place de belles API, un beau design, et qui encourage du coup beaucoup la testabilité. Mais pour l'instant, tout ce qui est test dans la documentation de Ember, c'est pas beaucoup mis en avant. On sait pas trop comment ça va se passer. Et comme il y a pas mal de choses qui se passent par convention, qui sont implémentées automatiquement pour nous par Ember, finalement, on sait pas trop comment on va l'instancier notre vue, qu'est-ce qu'on doit lui passer pour qu'elle fonctionne. On n'a pas trop la maîtrise sur tout ça, et du coup, on sait pas trop comment s'y prendre pour développer nos tests unitaires. Donc par contre, c'est quelque chose qu'ils ont bien en tête, et sur la 1.0.0, ils vont travailler fortement là-dessus. Et là, il y a un nouveau package Ember Test qui vient de sortir avec beaucoup de travail sur améliorer la testabilité des applications Ember. Gros point fort d'Angular, donc la testabilité. Quand on lit la documentation d'Angular, qu'on parcourt les premiers tutoriaux, les premières pages de la documentation, on se rend compte qu'en fait, la testabilité, les tests, ils sont là tout de suite. Google, ils ont une grosse force de frappe et ils disent les tests, c'est important. Donc, à chaque bout de documentation, voilà le code, voilà le test associé, le test unitaire, voilà même le test end-to-end fonctionnel associé. Les tests sont partout dans la documentation, que ce soit des tests unitaires, comme je le disais, ou des tests de bout en bout. Et on va pouvoir utiliser aussi Karma, ou anciennement appelé Testacular, qui va nous permettre de lancer nos tests dans différents navigateurs pour tester notre application dans différents navigateurs. Enfin, l'écosystème de Backbone. Donc Backbone est vraiment très répandu, c'est le plus répandu des trois, c'est celui qui est pas celui depuis le plus longtemps, mais c'est celui qui a gagné tout de suite la plus grosse communauté. 6,3 kg, enfin c'est vraiment pas grand chose, donc c'est facile à rentrer dans Backbone, facile d'apprendre à utiliser Backbone, facile de rentrer dans son code et de s'en imprégner, de devenir familier avec lui. Et du coup, on va vraiment avoir beaucoup de maîtrise sur nos applications Backbone. Par contre, il n'y a pas grand-chose qui sont là à notre disposition, il y a plein de manières de faire les choses. Donc voilà, ça va être à nous un petit peu de démêler un petit peu tout ça, de voir comment on va vouloir faire fonctionner notre application. Du coup, avec Backbone, on va finalement souvent l'utiliser comme une structure, comme une colonne vertébrale, et puis utiliser des frameworks d'un peu plus haut niveau, comme Spine, Thorax, Marionette ou Rest of Backbone, qui vont nous apporter vraiment des composants un peu plus évolués, mais qui reposent sur Backbone, chacun avec leur philosophie différente. En ce qui concerne Ember, on a une documentation qui est sympa, avec une API, c'est bien documenté. Il y a une bonne communauté, donc ça porte pas mal la communauté Ruby quand même, Ember.
Il y a une grosse communauté Stack Overflow, super réactive, qui va nous aider, qui va nous répondre à nos questions, ou même des channels IRC, plein de choses. On a une extension Chrome dédiée qui va nous permettre de voir un petit peu comment ça se passe dans notre application Backbone, dans nos outils développeurs Chrome. Il n'y a pas encore vraiment de tutoriel complet, enfin si, il y en aura depuis une semaine ou deux. Mais voilà, jusqu'à présent, ça manquait encore de vrais tutoriels complets pour savoir comment on développait une grosse application avec Ember. Et comme Ember se veut très ambitieux et que son API n'arrête pas de changer, et bien souvent on va retomber sur des ressources qui sont un petit peu périmées sur les API d'Ember. Donc il faudra faire attention quand on fait des recherches sur le net. Des fois, les ressources, les API, elles ont changé, ça ne fonctionne plus de la même manière. Il faut faire le tri dans tout ça. L'écosystème d'Angular, il va fortement profiter de la puissance de frappe de Google. Google, ils ont une grosse puissance de frappe, ils sont là sur les événements, ils sont là sur les conférences, ils sont là sur la documentation, ils ont une grosse documentation bien rédigée, très complète, qui met un gros accent sur la testabilité, etc. Il y a des bons tutoriaux qui sont pareils, qui vont nous prendre par la main et nous dire voilà comment vous allez implémenter votre application, comment vous allez la tester, comment vous allez la mettre en prod, etc. On a aussi une extension Chrome pour Angular qui s'appelle Batarang, qui va nous permettre de voir un petit peu comment ça se passe dans notre scope, d'inspecter pareil le comportement de fabrication dans nos outils développeurs. Et on a aussi pas mal de projets maintenant qui commencent à émerger sur GitHub, notamment Angular UI qui regroupe pas mal de composants Angular, de choses, et notamment un routeur. Les gars de. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui ont des issues sur routeur qui disent on voudrait un petit peu plus. Les gens de Google, ils en sont bien conscients. Et comme je vous dis, c'est un petit peu contrôlé par Google. C'est que il y a des pull requests qui ont été ouvertes. On dit ouais, c'est pas mal, mais c'est pas encore vraiment ce qu'on veut faire. On préfère le faire tranquillement de notre côté. Donc on va prendre le temps. Mais n'hésitez pas à ouvrir une pull request si vous avez avancé là-dessus. En conclusion. Backbone, des points forts, donc on a vraiment des fondations, une structure de base qui est super. Et le gros point fort de Backbone, c'est qu'on va contrôler tout ce qu'on fait. On a le contrôle sur tout ce qu'on fait, on va pouvoir vraiment développer des applications sur mesure, et légères en mémoire, et vraiment contrôler tous les bindings, tout ce qui se passe. Par contre, du coup, y a peu de fonctionnalités qui sont mises à disposition, et on a pas mal de travail manuel à faire, et à prendre en charge, faire attention à la gestion de la mémoire, etc. Ember, il est super ambitieux, il y a vraiment plein de fonctionnalités et il y a surtout un super routeur qui est vraiment bien foutu et bien pensé pour les applications riches. Par contre, c'est vraiment un long chemin vers la release 1.0.0, vers la release stable, et du coup les API changent pas mal. Mais là, ça y est, on est dans le cycle des release candidates, Ember commence à converger, ça commence à être bien solide, à plus bouger. Donc, par contre, des fois, on peut se demander s'il est peut-être pas trop ambitieux, d'ailleurs, sur Ember Data, on voit qu'il veut vraiment faire beaucoup de choses, il n'arrive pas à converger, c'est compliqué. Angular, il a vraiment l'approche différente d'embrasser le futur du web, embrasser l'HTML, embrasser les web components. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ça démarche déclaratif sur notre HTML, on va pouvoir faire des choses très très puissantes avec très peu de code. Il y a une super bonne documentation, et un des gros points forts, c'est la valeur qu'ils mettent sur les tests, comment faire les tests. Comment ils accompagnent sur les tests. Je trouve que c'est dommage sur routeur, il est un petit peu limité. Donc, par contre, comme je disais tout à l'heure, il y a Angular UI qui dit ok, Google, vous ne voulez pas bouger sur routeur, nous on va développer notre propre composant routeur. Ils ont sorti la 0.0.1 il y a deux semaines, et apparemment ça a l'air très prometteur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu le wiki de ce Angular UI routeur, en fait on se rend compte qu'ils prennent le même principe que le routeur d'Ember, avec une machine à état fini, un petit peu le même principe. Donc ils s'en inspirent pas mal. Et il y a quelques concepts particulièrement avancés, et du coup avec Angular, on va pouvoir très facilement commencer à faire des petites choses, avoir des trucs dynamiques, on va être super content très rapidement avec très peu de code. Par contre, quand on va aller un peu plus loin à faire des choses avancées, là ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir bien comprendre, bien rentrer dans le framework, et bien savoir comment tout fonctionne. Voilà, merci pour votre attention. Comparatif des trois, comment sont organisées les choses sur l'écran dans chacun des trois. C'est-à-dire, dans l'ensemble du monde, comment ça s'organise. Vous m'entendez bien? Allô? Vous m'entendez bien? Ouais. Du coup, comment on va développer dans chacun des frameworks l'outillage qu'il va y avoir autour?
Ça reste simplement de l'HTML, du JavaScript, donc on va utiliser les outils qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit Subtext, IntelliJ, enfin, on va vraiment être libre, il n'y a pas vraiment d'outillage particulier, à part les extensions dont j'ai parlé. Il n'y a pas de, il n'y a pas plus de choses que ça. On va vraiment utiliser nos outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Des questions ? Est-ce qu'ils utilisent les fonctionnalités d'HTML5, je pense notamment à pouvoir associer des données dans le DOM directement avec les data quelque chose, ou est-ce qu'ils n'en font pas usage? Par rapport au Web Components? De façon générale, est-ce qu'il y a des fonctionnalités d'HTML5 qui sont utilisées de façon importante par les trois Bah, du coup, les fonctionnalités d'HTML5, bah, ça va être de nous apporter des composants, genre les balises vidéo, les balises audio, plein d'API JavaScript qui nous permettent de faire des choses avancées. Donc ça vient pas en travers du chemin de l'utilisation d'HTML5. L'utilisation de ces frameworks, enfin, elle ne nous empêche pas d'utiliser HTML5, on fait ce qu'on veut. Dans nos templates, on peut utiliser des balises vidéo, des balises audio. J'ai du mal compris. Je pensais plus à des choses comme le local storage. Mmh. Ou encore une fois le fait de pouvoir ajouter des métadonnées sur le DOM ou, Pour moi, il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de. Ça pose pas de problème, aucun problème. C'était pas un problème, c'était un usage. Est-ce que ça encourage? Est-ce qu'ils utilisent des propriétés ou des nouvelles fonctionnalités d'HTML5 pour pouvoir faciliter la programmation? Particulièrement. Je pense que voilà, HTML5 met à disposition des API, ça nous utilise après dans nos contrôleurs, où l'on veut. On n'utilise pas particulièrement de fonctionnalités spécifiques d'HTML5, à part une nouvelle fonctionnalité de JavaScript. Mais voilà, il reste, après ça dépend de chacun des frameworks, mais ils vont rester compatibles sur DIE 7, 8, 9, si on utilise jQuery 1.9 ou un peu plus si on utilise jQuery 2. Ils vont vraiment être compatibles un petit peu avec tout. Ça va être à nous après d'utiliser ces fonctionnalités d'HTML5. Ouais, juste une question, tu disais donc Humber Data, c'est pas tout à fait prêt encore. Donc aujourd'hui, quand tu veux faire du Humber, ta communication client-serveur, c'est comment? Tu fais du bon vieux Ajax ou il y a un autre truc qui est déjà là? Soit tu plonges dans Humber Data, tu le découvres, tu t'en imprègnes, tu le suis au jour le jour et tu vois comment ça évolue. Donc c'est utilisable, hein, mais voilà, faut bien le suivre. Hein, Ou alors faut pas mettre à jour Humber Data toutes les 3 secondes, sinon ça va pas marcher. Mais voilà, aujourd'hui, Humber Data est utilisable. Donc ça bouge encore pas mal, mais si on prend une version fixe, elle est utilisable. Elle est fortement testée, il y a déjà beaucoup de communautés qui l'utilisent, on peut l'utiliser. Et sinon, ce qu'il conseille, c'est simplement de se baser sur les fonctionnalités de jQuery, avec effectivement les dollars Ajax, et puis de faire nos requêtes Ajax manuellement, parser la réponse, et puis populer nos objets, notre modèle Humber. Les URL des deux présentations. D'autres questions ? Des URL des deux présentations. La mienne, je vais vous la mettre à disposition, je la couperai ou je la ferai passer, elles sont mises à disposition, sans problème. Celle de l'art aussi, je suppose. Tu parlais tout à l'heure du dark checking pour AngularJS. Est-ce qu'il y a des comparatifs qui ont montré que c'était limitatif en termes de performance? Par rapport à ce qui peut se faire en Humber, par exemple? Sur Humber, ouais. On en parle beaucoup, mais on n'a jamais vu un seul test qui prouve que c'est vraiment plus. Une application identique qui serait vraiment plus lente. On va avoir des problématiques sur Angular quand on va avoir des modèles dans notre scope qui vont être fortement. Qui vont descendre fortement en profondeur. Et là d'ailleurs, on peut régler dans Angular, on peut dire est-ce que le dirty checking je vais le faire en profondeur ou est-ce que je vais le faire juste à la surface du scope, sur la première couche d'objet. Et du coup là si ça on le maîtrise pas, si on fait un peu n'importe quoi, effectivement là la performance elle peut tout de suite exploser. Et après des comparatifs, il n'y en a pas des masses. Je pense qu'il n'y a pas énormément de différence si on code bien nos applications, si on limite bien nos scopes, nos objets, si on sépare bien nos composants. Et encore une fois, ils vont vraiment fortement profiter de tout ce qui va se passer avec Object.Observe. Que ce soit Humber ou Angular. Une dernière question avant de se quitter.
Au niveau des communautés, par rapport aux trois projets, est-ce qu'il y a des chiffres par rapport au taux de contributeurs externes et des politiques différentes de chaque projet? Est-ce que notamment Angular n'est pas drivé uniquement par Google et est-ce qu'il ne suit pas que ce qu'il souhaite à terme? Ouais, du coup, Angular, bah, effectivement, on sent que Google, quand on regarde le GitHub, quand on regarde les pull requests, ils gardent un fort contrôle. Un peu comme sur Dart, il y a moins de contributions externes, mais ils commencent quand même à y en avoir. Une fois que les contributeurs sont bien reconnus, ont bien montré qu'ils étaient forts, qu'ils savaient contribuer correctement, bah, voilà, ils vont facilement pouvoir donner du code dans Angular. Par contre, oui, effectivement, bah, Google va vouloir garder le contrôle, il va pas des composants qui sont importants, il va vouloir les faire évoluer lui-même, et puis bah, par exemple le routeur il veut prendre le temps de le développer correctement. Après sur Backbone, bah, là, il y a une forte communauté, il y a plein de pull requests, et là il y a Jérémy Ashkenaz et ses lieutenants qui font un travail énorme pour faire le triage de ces pull requests pour dire bah, pourquoi elles ne seraient pas acceptées, comment il faudrait les faire évoluer. Ils font beaucoup de travail et il y a vraiment bah, énormément, une grosse communauté sur Backbone avec plein de pull requests issues tout le temps. Sur Ember, bah, pareil, il y a une grosse communauté, peut-être un peu moins répandue. Ember, comme je disais, c'est vraiment bah, c'est des mecs qui font du Ruby, qui ont commencé à faire Ember, donc c'est pas mal, c'est bien pas mal par la communauté Ruby, donc la communauté Ruby qui est aussi assez dynamique, et qui a bah, beaucoup contribué à Ember, pas mal de pull requests, etc. Donc, mais vraiment, Backbone, je pense qu'il y a la plus forte communauté en termes de contribution, après Ember, et puis Angular, Google qui garde un peu le contrôle. Sinon, je vois que le monsieur là, a un t-shirt Windows Phone. Est-ce que ça tourne sur iOS 6? Non, je déconne.